Ministre agriculture na République dominicaine, Luis Ramong, li déclare que, na micro, journaliste Ngaro, la République dominicaine pa ka vivre sans Haïtien, la République dominicaine pa ka vivre sans Haïti. On va y avoir plus de détails dans la vidéo aussi là. 180 millions de dollars américains disparaissent dans la caisse de l'État haïtien. On va y avoir plus de détails. En même temps, tout, Fito Milien, un jeune garçon haïtien, la police a arrêté 21 novembre 2022, remetté par immigration. Il n'y a pas de hier, famille jeune colli dans l'hôpital. Ça veut dire que sur Haïti, ou bien sur Saint-Domingue, ou bien sur Saint-Domingue, ou bien sur un pays étranger, ou bien sur Saint-Domingue, ou pas, ouais, yo. Eh bien, al chercher, yo, dans l'hôpital, spécialement dans Mog, sous pas, ouais, ou bien, dans Qualtel, ou bien, j'en ai dit, commissariat. En tout cas, des détails qui m'ont pas mentionné toujours, que l'autre information m'ont pas mentionné là, m'ont développer dans la vidéo, ça, si on a raison de demander, compatriotes haïtiens, yo, gardez vidéo jusqu'à la fin, parce que m'ont pas fait long pour qu'à garder le net. En quoi, un domaine agricole, premièrement, dans la République dominicaine. Luis Ramong déclare que, c'est ministre agriculture dans la République dominicaine. Je travaille dans le jardin, je commence à paralyser. Il fait qu'on est qui? C'est Haïtien qui est qu'on a fait genre de travail ça, yo. Eh bien, depuis qu'on a commencé à faire déportation massive ça, en pile Haïtien déporté dans le pays d'Haïti, eh bien, en pile Haïtien tout qui était dans la République là, yo pas voulu prendre le travail. Ça veut dire que tout le jardin yo été paralysé. Donc, il déclare que, Saint-Domingue pas qu'à vivre sans Haïtien. Saint-Domingue pas qu'à vivre sans Haïti. Deux pays sa yo condamnés pour vivre ensemble. Cependant, l'autre autorité dominicaine a fait connaître que, non pas en rien, Haïti pas un peuple, yo pas besoin, non. Or, cependant, moun ki rele moun nan, moun ki rele chef la, et bien, ministre agriculture, il déclare que, malgré sa pas fait président, ça bien dans le plaisir, mais quand même, il fait connaître que, c'est Haïtien, cap fait pays à avancer plus vers l'avant. Dans le domaine construction, ou jeune haïtien. Dans le domaine agriculture, ou jeune haïtien. Donc, qu'on est là, nouvelle ça, me senti que, il doit arriver devant les oreilles, autorité haïtienne, pour penser en l'autre façon tout. Et, autorité dominicaine, pour penser en l'autre façon avec question de déportation ça. Ministre aller au-delà, toujours lui faire connaître que, dans le domaine agriculture, il y a des haïtiens papiers, il a commencé à faire ça. Mais on dit c'est l'État haïtien qui cause que haïtien pas fin jouer un papier dans Saint-Domingue ou bien tout l'État haïtien donc yo pas continuer qui fait yo pas continuer bail papier. Ministre l'en fait connait que gonse haïtien yo te commencer bail papier et après fin jouer un papier yo aller qui te travailler y aller l'autre côté. Deuxièmement, que l'autre haïtien tout yo te voulait bail papier mais pas jouer même un carte électorale dans main yo pas gagner acte de naissance ni carte électorale ni passeport. Li fait connait que li accusé gouvernement haïtien pendant Jovenel Patko mouri il te reproché yo l'état dominicain qui va aller avec yo sévèrement pour faire connait que sinon ta vle pour nous renouveler carnet haïtien Saint-Domingue yo sinon ta le pour nous ba pas gen papier mais gon condition que faut que l'état haïtien et mette disponibilité et on série de bagay qui a besoin par exemple lo jwenn yon haïtien ki Saint-Domingue ou ap travay nan agriculture ou pas gen papier ou pas gen wak de naissance nan men ou pas gagner une carte électorale, ou pas gagner un passeport. Mais en prenant prise de conscience, est-ce qu'il est facile pour jouer un papier? Non, il n'est pas facile, faut que nous équilibrions les choses pendant qu'on a parlé. Donc, qu'on est là, ministre agriculture, ça fait qu'on est que, c'est à cause des reports, ça a été fait l'État ici, qui faut te ouais. Sous Jovenel Moïse, j'ai commencé à mettre bureau, tout partout Saint-Domingue, Igwe, Capital, et Santiago, pour essayer de venir faire avec des naissances plus faciles et faire une carte électorale. Malheureusement, sous Jovenel Moïse, il a commencé à processer ça. Après quelques mois de fonctionnement, il était venu camper. Ça cause tout. Haïtien qui Saint-Domingue, qui t'a remis légalisé tête, yo, vient en pile difficulté pour pas qu'il y ait un papier pour fonctionner. T'as coup, acte de naissance. T'as coup, carte électorale. Parce que nous connaissons, un pays étranger qui décide de bon papier, qui voulait bon papier, mais il y a un ensemble de conditions pour qu'on remplisse. Léopard, il y a l'État qui pense à l'agent de bagages, ça, yo. L'État ici encore obligé à nous, illégal, n'est pas contrôlé sous la terre. Deuxième, l'autre information toujours, pas oublier que, haïtien yo, donc, quitter comme ce jeune papier, lui faire connaître, yo, aller l'autre côté. Donc, qu'on est là, lui parler, construction commence par paralyser Saint-Domingue, et travail dans, dans jardin, à la campo, ça veut dire, en déo, à la campagne là. Donc, ça veut dire que, pas gagner pour faire encore. Donc, ça veut dire que, commencer à gagner un problème dans le domaine agriculture,
ni na construction dans le pays Saint-Domingue. Eh bien, madame, je merci. Celle ça me connaît, jour Haïti sur le développement, c'est de même à faire back en arrière parce que en pile a essayé pour aller volontairement sans pas pour ces deux. L'autre information, 180 millions de dollars américains disparaissent sur 2017 à 2022 dans la caisse l'État haïtien. L'agence a été débloquée pour te régler l'affaire choléra dans le pays d'Haïti qui t'a pas appris le problème. Eh bien, on sait que les autorités ils ont profité occasion à tout à fouiller dans la caisse l'État. Eh bien, ils prennent environ 180 millions de dollars américains. Et madame, monsieur, et m'a toujours dit nous ça, Haïti, son pays qui est riche en pile, il gagne pile l'argent, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour autorité au travail dans le pays. Imaginez, il y a l'armée qui là, il n'y a pas ni avion, ni hélicoptère, ni bateau, il n'y a pas de drone, il n'y a pas de bons armes pour fonctionner, il n'y a pas de bon gilet parabole, il n'y a pas rien du tout. Il n'y a pas de chadas ou blindé. Donc, imaginez, 180 millions de dollars américains, ça, c'est qu'il y a pile matériel pour l'armée d'Haïti. Là, pour la police, pas gagner un bon drone, puis au bataille, pour pas gagner un bon machine, un bon chadas so blindé pour mener cette opération, pas gagner un bon zam nan men yo. Donc, imaginez, puis cependant, ouais, bandit, dans l'état prend 180 millions de dollars américains pour gagoter. Donc, ça veut dire que, ça fait avoir quoi, gamin qui gagne problème avec moi, les maps dit, les maps démenti, ils me disent non, et pas ami qui écrasé pays, c'est haïtien qui écrasé pays, yo comme constate qu'il y a un pile bagaille dans la médaille, si t'es un pile bagaille dans l'hôpital, cependant, enseignant, professeur, l'école pas touché, pas gagne l'hôpital. 180 millions de dollars, mais que ça t'a fait gros l'hôpital Haïti, bagaille pour, et pour faire opération, bah, extraordinaire. 180 millions, malheureusement, n'est-ce pas, ça fait triste. Madame, monsieur, l'autre information, toujours, il y a un jeune garçon qui aurait fito milien. Jour qui était 21 novembre 2022, la police a arrêté le remettre bas immigration. Il est tellement battu, dans le commissariat, et ça a eu le quoi le tel là, il est fini de remettre bas immigration. Il est tellement battu, et bien, il est mené à l'hôpital, et après quelques jours, c'est, il y a que parents, il vient jouer une croix, il t'a pas le jeté, il joue une croix dans le mug l'hôpital. Ça veut dire que, si parents pas de guitare pareil, tu t'as jeté comme ça. Et d'après cette information que je joins, bien pile l'autre côté, je joins, y'a pas gen moun, la police bat, l'immigration bat, qui mourut, qui a été passé l'hôpital là tout. Y'a pas jeune parent moun sa yo. Y'a guide fait un macon, un gros sac, un pile moun, qui a jeté comme ça yo. Jeté, c'est pas enterré, pas gen enterrement. Donc ça veut dire que, soit vous avez vidéo ça, ou gen moun qui s'en domaine, ou t'en de la plein, qui gen moun qui le pas, ouais. Voyez vidéo ça bali pour le capable river joindre yo pour connecté moun sa ou ki ou pa wè al chercher ko yo nan mog nan l'hôpital aller nan divers commissariat pour capable joindre moun sa yo et si ou river pa joindre nou tout yo pa joindre yo bien yo pa joindre ni Haiti tout mais ou ki ta connaît moun sa yo yo mouri yo jeté yo en pile des fois elle me dit partager vidéo ça peut-être gem ki ka penser c'est dans l'idée pour faire plus comme plus view mais c'est pas dans l'idée ça son façon pour informer l'autre moun ka vive Saint-Domingue yo si gem moun yo pa wè ou pa attendre al gade nan mog ki nan l'hôpital ki pi pou yo ben nan diferan zon depan de kote moun anteye si ou pa jwenn konsa ou la c'est konsa tout et fito milien ki ye ou yo vinn dekouvri konsa ou ta pa jetel a la dernière minute paran et réclamer konsa ça veut dire que ou même tout ki Haiti ou gen moun ko pa tande Saint-Domingue toujours sou media ça pou konn sa ka passe donc gen moun sa ou pa tande yo Haitien sa ou mouri yo jete ko yo nan mauvaise condition c'est ka fa accident. Madame, monsieur, donc, c'est comme ça, dossier a venu déroulé dans le pays Saint-Domingue. Ça a très simple, m'a regardé hier, on série de Timoun, madame, monsieur, qui la police arrêté, Timoun de 5 ans, 6 l'année, 7 l'année, qui a mis dans le dépôt, jusqu'à ce que vous voyez Haïti, c'est comme si vous mettez dans la prison. Bon, me dit que les Timoun qui va gagner l'âge, donc, cependant, son crime n'a pas gagné autorité haïtienne qui pour décider de parler pour nous, nous ça paraît être compliqué en pile en pile. Mesdames, messieurs, pas qu'à la compliquer, c'est prendre l'argent dans la caisse l'État, gaspiller, sauter, d'après, et responsable immigration qui t'a baillé quelques déclarations, mesdames, messieurs, il fait qu'on est qui, par jour, déporter environ 750 à 800 haïtiens par jour dans le pays d'Haïti. Donc, ça veut dire qu'il est illégal. Donc, je ne sais pas qu'on est, c'est là qui est entre tout, je ne sais pas qu'on est en retour. C'est ça qui est dit. Mais quant à pour déportation, c'est chaque jour, il fait un pile déportation dans diverses zones, tout bon, pas pile et pas paquet. Il y a un bail qui fait un touriste et un bail avec déportation. Donc, c'est l'or qui est au bon petit monde.
ou l'hôpital là si mon là et puis pour quitter l'hôpital l'hôpital là donc on va connaître ça devenir ou dans la rue tu prends si mon là ou même parents rété mais rentrer là qu'elle ou grand parents qui était si mon là la rue donc c'est ça qui bon problème pour comment si mon haïtien ça a mal rété dans la République dominicaine et qui est-ce qui mette nous là autorité haïtienne qui est-ce qui cause autorité haïtienne qui cause Haïti dans salier là mesdames et messieurs c'est ça qui fait les jours où on a un gouvernement haïtien qui prend destin pour travailler dans le pays, ça, moi, j'espère que, en plus, haïtien qui se demande après aller volontairement à la caillou, il va le dire, au revoir, bye bye, papier et papaquet. Mais en attendant, qu'il faut un monde qui a pensé avec vous. Madame, monsieur, je vous présente et vous ça. D'après Louis Ramon Rodriguez qui fait connecter, c'est demain pas qu'à vivre sans haïtien. C'est demain pas qu'à vivre sans Haïti. Parce que c'est nous qui travaillons dans le domaine agriculture pour yo et dans le domaine construction. Et actuellement, la pile travail comme c'est paralysé parce que pas de monde pour travailler, question de potation, ça fait un pile haïtien aller, un pile haïtien dans ma roue. Nous avons connu 180 millions de dollars américains disparaître dans le cas de l'État haïtien qui prend de 2017 à 2022 là, qui a fait gros bagaille, qui a mis l'armée campée avec matériel ni la police en pile bagaille, mais malheureusement, pas de monde comme ça au point. Madame, monsieur, vous souvenez à l'info, c'est ton plaisir pour nous ensemble. Bye bye, à bientôt pour l'autre vidéo. Rappelez bien, jeune garçon fut au milieu disparaître depuis le 21 novembre 20 juin Kora dans Mog l'hôpital. Madame, monsieur, c'est police qui bat avec immigration qui tout le monde. Faut qu'on ait que si vous avez des gens qui ne sont pas cherchés dans l'hôpital, les vidéos, ça va vous aider à tout haïtien qui a des gens qui sont dans Saint-Domingue. Premièrement, vous avez des gens qui sont dans l'hôpital, vous avez des gens qui sont dans Saint-Domingue, vous avez des gens qui sont dans ça qui a passé et si vous avez des gens qui sont dans côté vous avez qui savent faire, mais comment vous faire arriver là. C'est vous battez jusqu'à ce que vous mouriez et vous disparaissez dans l'hôpital, vous mettez quoi en côté. Et si mon pas venir dans moins que 24 heures dans 2 jours pour capable réclamer quoi ça yo prend quoi pour jeter ça fait la peine en pile jeter pas terre non yo prend quoi pour jeter et bien madame monsieur c'était mon zalin fonna qui t'avait là bye bye à bientôt pour l'autre vidéo encore c'était nous pas la vie c'est un plaisir pour nous ensemble à bientôt.